Soulevez le dossier pour avoir un accès facile au boîtier de commande. Débranchez la table. Retirez le couvercle du boîtier de commande avec un tournevis à tête plate. Déconnectez le câble du filtre du boîtier de commande et du commutateur périphérique. Abaissez complètement le dossier. Avec l'aide d'une seconde personne, roulez doucement la table sur ses coussins. Enlevez les couvercles en plastique des quatre boulons connectant le commutateur périphérique au cadre. Utilisez une clé à cliquet avec une douille de demi-pouce pour retirer les quatre boulons de fixation en prenant note du nombre de rondelles nécessaires à chaque boulon ainsi que leur emplacement. Coupez le serre-câble qui fixe le cordon d'alimentation et le câble Ethernet au cadre. Tournez les roues vers l'intérieur. Retirez le commutateur périphérique du cadre de la table. Localisez les symboles plus et moins sur le câble Ethernet connecté au nouveau commutateur périphérique. Avec les roues tournées vers l'intérieur, placez le nouveau commutateur périphérique sur le cadre de la table tout en assurant que le symbole plus est du côté le plus proche des coussins et que le câble Ethernet se trouve du côté le plus proche du boîtier de commande. L'alignement des points de fixation du cadre doivent correspondre à ceux du commutateur périphérique. Replacez les boulons. Insérez le nombre approprié de rondelles et serrez à l'aide d'une clé à cliquet avec une douille d'un demi-pouce. Remettre les couvercles de plastique en place. Fixez à nouveau le câble d'alimentation et le câble Ethernet au cadre avec une attache serre-câble. Avec l'aide d'une seconde personne, tournez la table. Connectez le câble du filtre au câble Ethernet et au boîtier de commande. Positionnez horizontalement la petite boîte rectangulaire reliée au câble du filtre sous le point de connexion au boîtier de commande. Placez les câbles dans les supports et remettez le couvercle du boîtier de commande en place. Branchez à nouveau la table. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site orthocanada.com.